Allez, c'est reparti. Faut que je remonte le son du jeu avec ce jeu, c'est toujours hyper important. Bon, la vieille, elle a pas fini de tergiverser, et lui, il a pas fini de voir les pages de son script. Ce qui nous intéressait, c'était cette machine à écrire parce qu'on voulait faire bugger le jeu. De n hat 12 lay 12 n3. Il y a ce pattern qui revient n3. X quelque chose, x n3. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore. Est-ce que ce sera une énigme qu'on pourra comprendre plus tard? Je ne sais pas. Ça, on avait vu que du coup, c'était les symboles du mot de passe. Hein. Non, du nom d'utilisateur, mais ils sont peut-être dans le désordre, donc c'est peut-être chiant. Est-ce que j'ai récupéré des trucs en plus? J'avais les cubes de la dernière fois, j'avais la clé en forme de C qu'on n'avait pas utilisée, la dalle du labyrinthe. Est-ce qu'on avait pris la bonne dalle? Les disquettes, on pouvait aussi acheter des jeux. La clé en forme de E, on l'a utilisée. Les dollars américains. Système de jeu bite size. Il faudrait peut-être qu'on économise 30 dollars américains pour acheter un jeu sur la Laser Eye. Sur la grosse console de salon. Il y a un bouquin là? Il y en a partout des bouquins. On n'avait toujours pas compris cette histoire de bout de labyrinthe qu'on récupérait aussi là. Ça là. Est-ce qu'on peut pas essayer de tous les récupérer pour voir ce que ça fait? Ok. Pour l'instant, on réussit à tous les prendre. Est-ce que ça se casse de plus en plus fort ou est-ce que c'est juste mon esprit qui me joue des tours? J'ai l'impression que ça... Ouais, c'est là qu'il faut regarder et il faut repartir. Oh putain. J'ai l'impression que ça se casse de plus en plus fort, mais je me trompe peut-être. Ah merde. Va falloir que je retraverse. Ok, j'étais juste pas au bon endroit exactement dans ma tête. Je sais pas si ça sert à quelque chose de péter tout le labyrinthe.
Et j'ai l'impression que ça a empiré là. Depuis. J'ai l'impression qu'on a cassé un peu trop de trucs. Ok. Donc là. Genre regardez, ça tremble maintenant. Ça faisait pas ça avant, si? Ou c'est moi qui... Qu'est-ce qui va se passer si je casse tout le labyrinthe? Est-ce qu'elles vont être en colère? Ça a l'air de rien changer du tout. J'avais pas vu, mais il y a une date. Sur l'écran de statut. Ah non, couloir 2014, pardon. 40,7% de... Pourquoi il y a... Encore une fois, pourquoi il y a cette putain de jauge de vessie, quoi? Il est cassé. C'est juste le labyrinthe avec les endroits où il y a des marques. Je comprends pas. À quoi ça me sert, lithographie du labyrinthe? À quoi ça me sert d'avoir la lithographie du labyrinthe? Il y a beaucoup trop d'énigmes que je comprends encore pas. Hein. Ça nous avait rapporté quoi de... Ah oui, ça nous avait donné un ticket pour l'autre, mais il nous fallait une rose. Le chien, il est là. Attends, mais il y a un trou dans la clôture, là, je viens de voir. Je suis pas fou. Casse-toi, le chien. Oh, putain. Il m'a bloqué. Je suis Dogo Stuck. Regardez, il y a un trou dans la clôture. Non? C'est moi qui l'ai imaginé? À quoi ça me sert d'avoir un...
L'ascenseur, j'ai déjà pris. Ces trucs-là, je l'ai pas réussi, c'est ça? Ah si, celle-là, je l'ai réussi. Celle-là, je l'ai réussi parce que je suis un génie. Hey, c'est une porte en forme de C, ça. Yeah! À moi le café! Déverrouiller la porte, parfume au café. Un café, exactement ce qu'il nous faut. Arrête d'apparaître comme ça derrière moi, s'il te plaît. Signora, veuillez vous asseoir. Ah, c'est comme la magie noire qui coule dans vos veines. Ça fait réfléchir plus vite. Saviez-vous que les Américains le rallongent avec de l'eau? Ah, ils ont entendu parler du Black Arts Coffee Club. Il paraît qu'ils ont contracté un arrangement avec cet hôtel. Pour une somme modique, ses membres peuvent bénéficier d'une quantité illimitée de café. Expresso illimité, signora. Ça sonne comme un rayon de soleil un mercredi. Pourquoi ne pas les appeler? 04 59 07. La vie est courte, signora. Seul le charpentier rapide attrape le meilleur bois. Je dois y aller. 04 59 07. »04 59 07. Verrou numéro 8, 44. On avait déjà fait le calcul. Paf. Non, 8. Ah! Ah ouais, celui-là, effectivement, je me suis peut-être trompé alors. Alors, attendez. On va prendre un truc. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, c'est pas 44. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 43! 43, je pense, du coup. On va réessayer 42. 42 apparemment. Allez, un peu de bruit force sur, un peu de brute force sur celui-ci, mais ça ne fait pas de mal. Hop. Je le mets à jour. Je récupère mon 4 couleurs. Pourquoi je peux pas passer? Tu as un billet ici, je pense. 04 59 07. Comment ça va me coûter? Pensez. Dans ce téléphone moisi. Alors. Vous avez appelé le Black Arts Coffee Club. Vous appelez au sujet de l'adhésion? Vous souhaitez devenir membre? Vous voulez du café illimité? Vous voulez payer 10 dollars américains, c'est ça? On accepte. Oui, votre argent sera transféré via le plan astral. Oui, concentrez-vous sur l'adhésion. Pensez à l'expresso, concentrez-vous sur la tasse à expresso. La tasse à expresso, vous voyez la tasse à expresso devant vous. Et maintenant, la tasse à expresso est dans votre sac. J'aime trop ce concept, beaucoup trop barré, de on a fait un truc à téléphone, mais. Oui, vous allez pouvoir profiter d'Expresso Limité. Vous allez tout oublier au sujet du Black Arts Coffee Club. Chassez le Black Arts Coffee Club de votre mémoire. Oubliez le Black Arts Coffee Club.
Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Si je bois du café, ma vessie se remplit, c'est ça? Est-ce qu'on débloque la capacité de courir plus vite? Oh waouh! Influence de la caféine, une tasse, vessie. Ça dure combien de temps? Dix-neuf, j'ai 35. Ah, apparemment j'ai pas bon. Alors, 19, pitié. Deux cent dix degrés après zéro. Vous connaissez le chiffre. Ah putain, c'est 7, le chiffre. C'est 7. J'ai mis 35 pour les minutes, mais c'est 7. Le chiffre, pas le number. Et oui, le chiffre, pas le nombre, bien sûr. C'était 7. Très bien. Oh, un dollar. Merci. Attends, le café est déjà retombé là? Ça retombe si vite le café. Il y a des éclairs jaunes. Putain, mais tout ça pour rien en plus, quoi. Tout ça parce qu'on tout ça pour se faire chier en fait. Bon, si en vrai ça nous a ouvert le café. Mais enfin, le café retombe si vite. Un dollar. Ça va, on a déjà remboursé un bon paquet du prix de la machine. Par contre, il faut vraiment qu'elle aille aux toilettes, quoi. Ah oui, celui-là, il est trop bizarre. Celui-là, il n'y a pas de date. Et il n'y a pas de chiffre non plus. C'est très étrange. C'est très bizarre comme elle court. On va regarder les cartes vite fait, voir ce qu'on n'a pas exploré là. Il y a une porte verrouillée dont on n'a pas la clé. Il y a... Ah, il y a une descente depuis le premier étage. Depuis le deuxième étage, pardon. Hein? Mais cet escalier donne sur rien? Ah, c'est au sous-sol alors. C'est une remontée depuis le sous-sol. J'ai pas l'impression du coup. Ah, c'est probablement une entrée depuis la clé de trèfle. Clé de trèfle qui donne dans la cour. Ok. Ça, c'est noté. Il y a des shortcuts ici et ici, mais ça, on n'y passe pas. Deuxième étage, est-ce qu'il y a des portes qu'on n'a pas ouvertes? Il y a une console de jeu qu'on n'a pas essayée au deuxième étage. Pour quelle raison? Parce que c'était planqué. D'accord, c'est parti. Allez, cours un peu dans les escaliers par contre, machine là. Est-ce qu'ils vont nous sortir un psychopathe Enfin, pas un psychopathe, mais. Un monsieur. Merde, je suis à l'étage 3 parce que on est dans un jeu américain et que le rez-de-chaussée n'existe pas. Non. Vas-y, fais un effort. Ok. Porte de cœur, on l'a toujours pas ouverte. Ah mais on a ouvert là, par contre on a ouvert... Attends. On l'a ouvert là. C'était caché dans le machin, d'accord. Ça fait toujours aussi flipper ça. Hein. Et donc c'est ça qu'on avait raté.
Attends, mais il y a une autre console là. Oh. Alors, attends, celui-là, je le note à nouveau. Alors. Parce qu'on va s'en servir dans quelques secondes, j'imagine, pour boot la console. On va noter ça comme ça. Ici. Allez. Cette prise de note est complètement incohérente, hein. Sachez-le. Je pense que c'est une question d'ordre. Je pense que ça va s'écrire dans le même ordre que celui que je fais là. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, code directionnel, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai raté ? Ah non, c'est bon. Let's go. J'ai pas vu dans lequel j'étais par contre. Prototype couloir. Ok, d'accord. C'est toujours aussi chelou, hein. Ça, ce sera le rapport de bug numéro 1, j'imagine. Les plans sont un peu mieux, mais la maniabilité est toujours aussi à chier. La vue de dessus aide un tout petit peu, mais... Ok, un dollar. C'est moi ou il y a une porte qui était cachée en face? Non. Conception du niveau. Il aurait dû se souvenir par là-bas. Toujours aussi chelou, hein, ces ambiances de faux jeux vidéo là. Dollar américain de plus. Ça nous a juste fait faire un tour de pâté de maison. Cette caméra est dégueulasse. Ah! Ah, il fait le truc du magicien! Vous ne cessez de vous souvenir de ce couloir comme d'un labyrinthe, mais ce n'est pas le bon. La porte 9. Dollar juste là, très bien. Je crois qu'il y a 4 dollars par jeu de façon. Hein. Porte 2, c'est la première qu'on a prise, non?
Je vais prendre la porte 3 plutôt. Je crois que je suis jamais passé par la zone du milieu. Ce bordel. Voilà, c'est bon, on a le dernier dollar. Ok. Et ben on peut juste suspendre le logiciel et puis. Et puis voilà, et puis attends, putain, le jeu est tellement fluide quand on sort de ces merdouilles là. Oh putain, ça arrive. Ah putain, ils font toujours trop peur. Non. Je démarrerai, foutez-moi la paix. On peut pas sauvegarder quand ils sont dans la salle. Putain. Non. 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 Vite, pipi. Ils font toujours un peu flipper eux, parce qu'on sait que si on se plante, on perd toute notre progression. Y a rien de plus, hein, ils font rien de plus, hein. Il faut qu'ils nous attrapent d'ailleurs, hein, mais... Alors... Befragungsraum 3. Alors, on voit pas le mec. Déjà. Page de script collée sur le côté gauche de l'armoire. Le labrador a l'air de regarder un truc de... Meuf qui s'est suicidée avec une rose à la main en se jetant par la fenêtre. Oh waouh, ça commence à devenir un petit peu dark. Non! Vous vous souvenez, il me faut plus de temps. Alors, une clé sur l'horloge. 3 bouteilles. Une clé à gauche de l'horloge. 3 bouteilles, 2 verres à pied. Elle tient une rose. Le labrador la regarde tomber. Il est en arrêt devant, le pauvre. Il y a un cheval aussi. 1, 2, 3, 4, 5 vases. L'horloge indique 6h45. Escabeau, beaucoup de livres. Combien de débris de verre? On peut les compter ou pas? 1, 2, 3, 4, 5. C'est trop. 2 candélabres et un avec une bougie plus longue et une bougie plus courte. Peut-être ça le détail qu'ils veulent que je relève. Ok. Vous vous souvenez? Je me souviens de tout. Très bien. Pardon. Très bien. Où était posée la sculpture du cheval? Sur l'étagère à droite. Cela concorde avec nos informations, Fraulein. Ok, un script de plus. Alors, à l'intérieur de l'hôtel, la bibliothèque, deuxième étage, de nuit. La femme se déplace entre les rayonnages. Résumons ce que nous savons, Rudy. On est en train de concevoir un labyrinthe, Rudy, c'est le chien, pour un projet qui va transcender l'expérience humaine de l'art. Et c'est une métaphore que je dois découvrir. Rudy agite sa queue, la femme prend un dictionnaire sur l'étagère. Labyrinthe, un réseau complexe et irrégulier de passages dans lequel se repérer est difficile. Rudy aboie et se dirige vers la fenêtre. Rudy grogne. Qu'est-ce qu'il y a, Rudy? La femme l'observe attentivement. Rudy gémit de peur. Tout à coup, on voit un corps tomber de l'autre côté de la fenêtre. La femme pousse un cri de surprise. Dehors, sur le sol, gît un cadavre. Est-ce qu'on peut les relire un petit peu ou pas, hein? Est-ce qu'on a les pages du truc quelque part? Note 2 du testeur de jeu, note attachée à une brique, note trouvée dans la machine à écrire, film, jeu et script. Page de script, il y a du 3. Pourquoi est-ce que je voulais revoir la page?
Qu'est-ce qui a fait que j'avais envie de revoir la page? Il y avait un détail qui m'avait tiqué et je l'ai perdu. Oui, ça, excuse-moi, c'était la définition de labyrinthe qu'elle lisait. Un réseau complexe et irrégulier de passages dans lequel se repérer est difficile. Ouais, c'est exactement le concept du jeu, quoi. Très bien. On est dans la matrice. Je vous le dis. Putain, j'ai déjà perdu l'influence du café, là. Oh, c'est pas vrai. Alors que je prenne un café, que j'aille tout de suite faire un pipi, hein. Faut que je fasse gaffe parce que je vais pas avoir assez de place à un moment. Attendez quoi? Je viens de la voir. Vous avez vu? Il y a une clé qui pendouille juste là. Attendez, 2 secondes. On est où là? Je suis où actuellement dans ce putain de deuxième étage là? Je suis là, hein? Ah, je suis dans cette salle. Porte de carreau. Celle-là, je l'ai pas. Est-ce que je saurais retrouver la dernière machine à écrire? Ah, il y a une fenêtre là-bas aussi. Attends, quoi? Est-ce que je sais trouver la dernière machine à écrire ou pas? Déjà, je sais pas à quoi elle ressemble, les machines à écrire sur la légende. Salle de jeu 2. Ça, c'est les ordinateurs. Ça, c'est l'imprimante, ça. Donc, on y accède en passant par ici. En passant par là, en passant par ici. Sauf qu'on n'a pas la clé. Quels sont les endroits où on n'a pas encore la clé? Où on a déjà la clé, pardon. On va aller prendre un café, pipi. Il n'y a pas de café ici. Ça, c'est le truc de Renzo. Lorenzo l'incredibile. On n'a toujours pas sa putain de rose. Chiffre romain de 5 lettres pour l'interrogation. Comment ça, souvenir récupéré? Les changements d'acoustique aussi de toutes les pièces, c'est dingue en vrai. Oui.
Quand je marchais, il y a eu un bruit. Je comprends pas cette... cette énigme-là. Donc ça, c'est la fameuse échelle qui est bloquée. Ça, c'est l'arrivée vers l'ascenseur avec la porte 1973 qu'on ne peut pas encore ouvrir. Ça, c'est la porte de carreau. Il y a un truc là. Attends, j'avais pas vu que c'était un encadrement de porte. C'était... Faire tourner la lampe. Saloperie. Waouh, ça c'est malin. Et donc là, on a débloqué l'accès au fameux couloir que je voulais voir, où il y a une clé de pique qu'il va nous falloir qu'on n'a pas. Porte 1963, verrouillée. Porte de pique verrouillée, on n'a pas la clé non plus. On va pas faire genre on l'a. Treuil, il manque la manivelle, ça tombe bien, j'ai une manivelle. Et un chiffre romain à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères. Est-ce que ce serait pas 1847? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caractères. Non. Non, c'est pas ça. Poyo Tien, comment tu vas? Malheureusement, c'est le jeu interdit. Oui. Oui, c'est le jeu interdit. Après, j'ai à la chef hein, en vrai hein, pour le jeu interdit parce que vraiment, c'est le bordel. Hein. Vraiment c'est le bordel. Mais désolé du coup en ce moment on fait pas trop autre chose à part ça et Slay the Spire. Il sera fini prochainement. Mais de toute façon il y aura aussi Soon du Baldur's Gate. Et je pense que je ferai Tunic un de ces quatre. Ok je vois où est-ce que ça ouvre. Perso c'est visage de tête le JV. Je suis beaucoup trop pris par Just Cause. Ouais, moi tu sais que les jeux vidage de tête, bon. J'aime bien, mais ça ne dure jamais trop longtemps. La tienne jusqu'à maintenant, je t'ai pas fait fuir, mais ouais, voilà. Du coup, des bisous à la prochaine, des bisous à toi. Oh! Quoi? Ah bon? Mais ça a un sens ces trucs de merde! Putain, mais. Ok. Alors. Je vous montre quelle était ma logique là sur cette énigme là. Vous voyez ici j'ai les deux schémas là. J'ai commencé par prendre celui qui faisait les diagonales. J'ai mis celui là dans ce sens là, celui dans ce sens là, celui dans ce sens là, celui dans ce sens là. Et ah putain, les deux triangles là sont pas inversés. Faut que je les inverse. Merde. Non, non, allez, j'ai fait un clic de trop. Voilà. Ok, cette fois-ci c'est bon. Prix informatique Hertzmuller décerné à celui qui utilise une utilisation significative des ordinateurs. C'est sérieux là? Ils m'ont vraiment foutu un succès Steam parce que je sauvegarde trop cette bande de bâtards. Ils ont dit excessive significative des appareils informatiques. Est-ce que c'est parce que j'en ai utilisé un certain nombre? Est-ce que c'est parce que... Ah il est trop bizarre ce miroir. Sa perspective est tordue.
truc. Fuck. Tu as le courage d'entrer dans les couloirs de la sagesse? C'est un lieu de réflexion. Les frères l'appellent le club de quiz. Ils attendent avec, à l'intérieur, sache-le. Ce sont des hommes infâmes. Infâmes et mortels. Tiens ta langue si tu ne connais pas la réponse à leurs questions. Ils ne connaissent que la vérité ou la mort. Sers-toi de tout ce que tu as appris pour survivre, atteins le centre. Oh putain, j'ai détesté ça. Atteindre le centre du club de quiz. Ah, la saloperie. J'ai pas retenu le plan. Est-ce que... Nord-ouest. Le nord, il est là, c'est ça? Il représente un petit peu là où je dois aller, c'est ça? Donc là, je dirais que c'est à droite, puis à gauche, puis à droite. C'est ça, à droite, puis gauche. Puis droite, puis gauche, puis gauche. Et on devrait arriver au piédestal. Ouais, c'est exactement ça. Si ma demeure n'a jamais existé, alors cette clé ne doit pas être à moi. Clé de la chambre 1938. C'est exactement ça en plus. C'est exactement ça. En fait, j'ouvre les fenêtres en pétant ce labyrinthe-là. Donc j'ai bien fait de tout prendre avec moi, mais par contre, ça va être une horreur pour se repérer. Est-ce que j'ai le droit de sortir? Ok, je ressors à ma guise, ça tombe bien, ça veut dire que je peux sauvegarder. Et mériter mon prix de Hertzmüller, là. Putain, j'ai soif ce soir, je vous jure. Alors. Donc là, on va rentrer. Est-ce qu'on irait pas à gauche tout de suite pour faire la salle... La salle nord-est. Restez prudente et ne passez jamais. Misez pour passer ou périr. En combien de pièces le labyrinthe a été débrisé? La peur de la mort entrave la vérité. Épargnez-moi, frère. Répétez votre question une fois de plus, frère. Permettez ma contemplation, frère. La vérité surpasse tout. Risquez ma vie, frère. C'était quoi la question? En combien de pièces le labyrinthe a-t-il été brisé? 9? On est d'accord, 9? Correct. C'est Professeur Layton, mais en flippant en fait le machin. C'est rigolo parce que regardez, là dans cette version là, sur les murs, elle affiche toute petite, elle est affichée minuscule. Ah non, c'est moi, elle dépasse. Si j'ai seulement vécu dans un rêve,
Alors cette clé ne doit pas être à moi. Chambre 1948. Putain, mais on récupère tellement de trucs. J'ai bien fait du coup de tout péter. Je savais pas à quoi ça servirait, mais j'ai bien fait de tout péter. Parce que ça nous évite d'avoir... On va avoir assez de place pour toutes les clés. Cette pièce-là, elle donne sur rien d'autre. Très bien. Ils ont bien fait ce truc-là, de mettre des rappels fréquemment de où est-ce qu'on en est dans le labyrinthe. C'est une très bonne idée. Allez, vas-y. On le tente aussi. Restez prudente et ne passez jamais. Misez pour pas s'opérir. Combien de minutes dure adieu Tbilissi? Bah, permettez ma contemplation. Boîtier de adieu Tbilissi. Combien de minutes? 2h13, c'est 133? C'est pas si long que ça, finalement, 133 minutes. La vérité surpasse tout, risquez ma vie, frère. Correct. L'avantage, c'est qu'en plus, on n'est pas obligé de connaître le labyrinthe. C'est une très bonne nouvelle, ça. Par contre, la meuf, elle est là? Si je suis autre chose qu'un conteneur creux, alors cette clé ne doit pas être à moi. Et elle, elle est méga flippante, hein. Putain, en tout cas, ce qu'on va débloquer... Est-ce que j'irai pas sauvegarder vite fait, là? Tant que je m'enfonce pas trop dans le labyrinthe. Par contre, je suis du coup presque tenté d'aller voir les pièces en question. Je suis presque tenté d'aller voir les pièces en question, voir si je récupère des réponses ou si je peux tout faire d'un coup. On va tenter d'aller les faire comme ça, mais je sens que si je commence à pas trouver de réponse, je ferai demi-tour et je jouerai pas... Je jouerai pas au con. On peut aller vers le centre, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose d'utile là-bas. Frère Tersus. Restez prudent et ne passez jamais. Misez pour passer ou périr. À quelle page du menu d'instruction peut-il y avoir les informations concernant les commandes de jeu? Je trouve ça bizarre parce que ils sont censés être méga forts, mais... Commande de jeu, page 3. Correct. Mais vu qu'on peut vérifier toutes les informations du jeu du moment qu'on a vu les documents, c'est un peu facile du coup. Après, ils sont là à vous attendre au détour d'un couloir. Oh, qu'est-ce que c'est cette horreur? Non. Il y a un objet en papier dans le trou. Un dollar.
C'est pas rassurant du tout. Ok. Alors. En quelle année Renzo Nero gagna-t-il le gros lot à Monte Carlo? Permettez ma contemplation. Livre. Renzo Nero, un animale terribile. Répétez votre question. Gagna-t-il le gros lot à Monte Carlo? Oui, typiquement celle-là, je l'ai pas. Monte Carlo, ça me dit rien du tout. La peur de la mort entrave la vérité, pognez-moi frère. D'accord. Tertius Decimus. C'est le numéro 13. Bon. Passer par là, hein. Quel est le chiffre de la création selon la numérologie transcendantale? On a déjà vu celui-là, je crois. Livre. Alors, numérologie transcendantale, le numéro de la création. 3. Correct. Encore un trou, on va y foutre notre main. Ça va mal se passer. Il y a un objet en papier dans le trou. Quelle est l'année de naissance du docteur S.C. Bolt? Sérieux? Permettez ma contemplation, c'est écrit? En 1949. Ah ouais. C'est terrible parce qu'au détour d'un couloir, tu t'attends vraiment à ce qu'il y ait un machin qui te saute dessus quand même. Hein. Donc
là c'est quoi? C'est nord-est là où je suis là, c'est ça? Mais j'ai déjà fait celui-là, je suis trop con. Nord-ouest. Eh oui, j'ai déjà fait nord-est et nord-ouest. Ah putain, j'étais passé par autre part. Très bien. À quel numéro de rue vit Yamato? Yamamoto. Répertoire téléphonique. Yamamoto. Oststrasse 62, pardon. 62. Sérieux, c'est vraiment juste de la recherche documentaire, ce putain de labyrinthe. Correct. Et est-ce que t'es capable de te souvenir d'informations ou de te souvenir de l'endroit où tu vas chercher les informations? Je suis pas sûr de comprendre ce qu'il y a derrière, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, un jeu indé aussi bizarre et barré, il y a forcément quelque chose derrière. Ok, la clé est là. Si ce lieu n'en est pas un, alors cette clé ne doit pas être à moi. Peut-être que c'est le moment de faire demi-tour, d'aller sauvegarder et de revenir. On est revenu par le nord-ouest. Pas envie de faire une connerie. Mais ça veut aussi dire qu'à un moment on va passer par... C'est le bordel. Merde. En quelle année machin gagna le gros lot à Monte Carlo? C'est rigolo parce que en plus le gameplay dans ce truc là, ça se voit un petit peu peut-être à mes mouvements de à mes mouvements de camion ben là. Mais le gameplay dans ces couloirs là, c'est le même que sur les jeux de PlayStation de PS1. Sauf que vu que la caméra est derrière moi, déjà c'est beaucoup plus gerbatoire en termes de mouvement. Mais également, c'est plus facile de jouer. Non, là c'est le mec qui a voulu me dégommer. J'étais passé par là. C'était Monte Carlo par là-bas. Attends, je suis où là? Je suis où, putain? Salut. Oh, Alisten, comment vas-tu? Putain, ça doit être pratique d'avoir du café dans ce labyrinthe. Ok, ça va être... Hein? Attends, quoi? Ça fait une éternité. Mais oui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah non, je reprends où? Me dis pas que je reprends en or. Je fais câbler sinon. Ok, ça va. Et j'ai déjà pris là, c'est ça? Ouais. Tu vas... Mon pauvre Alesten, tu vas absolument rien comprendre ce soir, je te préviens. Restez prudente et ne passez jamais. Misez pour passer ou pour périr. Quel est le numéro de téléphone de l'OL? Tu vas rien comprendre. Comment tu vas, mon cher Alesten?
L'OL, 39, 80, 30. 39, 80, 30. 39, 80, 30. Ça a pas mal bougé dans le milieu personnel et professionnel de mon côté. Ça m'a pas mal tenu à l'écart, ce que je regrette. Oh là, mais attends, mais t'inquiète pas. Tu es de retour et tu kiffes? Enfin, correct. Correct. Sauf si... Ok. Donc il y a un piédestal juste là, encore une fois. Ici, hello. Si j'existe autant que le labyrinthe, alors cette clé ne doit pas être à moi. 1962, très bien. De toute façon, on a toutes les clés, on s'en cogne en vrai. Il y a 9 clés à récupérer. Et on va toutes les avoir. Tant que j'y pense, mes félicitations pour le déménagement. Merci, merci. Et toi alors du coup, si ça te fait pas trop chier d'en parler, qu'est-ce que tu deviens? Si ça te fait pas trop chier d'en parler, hein, t'as le droit aussi de... Ouais, donc ça en fait c'est les endroits où il y a la meuf. Ces portes. Il y en a une par labyrinthe. C'est juste que j'en ai jamais trouvé parce que je fais pas attention. Très bien. Ah putain. Combien de minutes après minuit Andreas Kollmann arrive-t-il à l'hôtel Letztes Jahr? Je crois que c'est ici que notre chemin s'arrête. Andrea Coleman. J'ai l'impression qu'il faut que je sorte et que... Pourquoi ça m'a enregistré toutes les portes comme ça? Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes ces portes? Pourquoi est-ce qu'il y a une photo de chacune des portes que j'ai vues? Moi, je galère depuis que j'ai quitté mon ancien job et avec mon père qui a de gros problèmes de santé, j'ai eu des petites périodes d'absence comme celle-là. Dernièrement, ça s'est un peu stabilisé donc je souffle. Bon, tant mieux! Ok, quitter un ancien job, c'est dur ça. Se barrer, c'est jamais facile. Parce que t'abandonnes un petit peu le confort de ton salaire. Je comprends. C'est quoi le jeu lot? Alors, ça s'appelle Lorelei and the Laser Eyes. Comment dire? Il y a des chiffres, beaucoup, et probablement un tueur psychopathe, un, et des Game Boy, et des Dreamcast, et on cherche des trucs, et en gros, tu mets des informations à des endroits, et voilà. Ça te va ou pas?
J'ai pas beaucoup plus d'informations à te donner. C'est extrêmement bizarre et complètement barré. Une histoire de labyrinthe. Oh putain. Répétez votre question une fois de plus. Et les mecs nous braquent avec des flingues si on donne pas la bonne réponse. Ça et des nazis dans la mémoire. Des nazis dans mes souvenirs qui me donnent des pages du script du jeu. Bon, et ben je vais pas vous repasser par ici. Et ben on va juste sortir là et puis on reviendra plus tard. Voilà. Et elle a des yeux qui déconnent, elle. Bon, ça va, ça s'est arrêté. Oh, mais il y a un raccourci ici que j'ai pas ouvert. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Raccourci numéro 11. Je l'ai, 67. Ok. Je sais pas ce qu'il y a dans ton pétard, mais c'est manifestement sud-américain. Non, mais tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, ce passage-là qu'on vient de faire, il est typique de jeu, quoi. C'est vraiment. Raccourci combien? Ok, 11, je l'ai, 67. Paf, et il ouvre une porte avec un code cadenassé. En fait, pour te donner un ordre d'idée de à quel point ce jeu c'est le bordel, je te montre vite fait. J'ai fait une vue spéciale comme ça on a ma webcam. Et ça, tout ça, c'est mes notes depuis le début du jeu. Voilà. Avec des chiffres marqués au pif, des dates comme ça, machin, tout ça, des symboles tracés à l'arrache pour comprendre des trucs. Voilà. Voilà. C'est globalement le délire du jeu. Est-ce que je vais encore avoir un parasite qui va venir, un parasite nazi là? J'ai pas l'impression, mais du coup, je vais avoir plein de portes à ouvrir là. En gros, c'est un jeu d'énigmes. Grosso merdo, si tu veux un pitch facile, c'est ça. Sauf que, en fait, t'es mal à gueule des énigmes. C'est bon, ça va mieux? Les vues de cam font très vieux Resident Evil. Je pense que c'est clairement assumé, hein. Je pense que c'est clairement assumé. Le jeu est semi-horrifique. Ils te font un ou deux petits jumpscares histoire de temps en temps, genre là, la vieille là dans cette pièce là. Elle a les yeux roses elle aussi. Et elle divague un peu, mais au début elle dort et quand elle ouvre les yeux elle fait comme ça. Je sens que mes yeux vont se mettre à déconner prochainement. Alors, va bien. Porte 3, j'avais un truc? Non, porte 3, j'avais rien. Porte E, j'avais. Porte 3, j'avais rien. Ok, 1838. Est-ce que j'ai quelque chose? Déjà, je vais sauvegarder ici au cas où je me fasse attaquer par un malade. Parce que je commence à me repérer de moins en moins dans ce putain d'hôtel, même si je suis censé avoir une mémoire des lieux qui est censée se développer. 38, est-ce que je l'ai, 38? Parmi toutes les clés que j'ai eues. 38, je l'ai! Oui! C'est parti! Donc ça, c'est une nouvelle énigme. Ah, 1938, installation multimédia, s'appuyant sur les techniques modernes, l'artiste joue avec la perspection, avec la perception, pardon. Dans 1938, les perspectives déformées semblent correctes. Le petit semble grand, mais conserve une égalité. En conséquence, nous sommes amenés à croire que la vérité vient par pair, faisant ainsi correspondre notre propre vérité à une autre vérité, accrochée et affichée à la vue de tous. Oui d'accord, en fait depuis la caméra on a l'impression que ça, tout ça c'est. D'accord, mais alors en quoi ça, pourquoi 0, 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi faire ça? Sculpture perspective sans titre. Tableau. Mais à quoi ça sert ce truc? Ah, je comprends pas à quoi ça sert. Je comprends l'œuvre d'art qu'il y a derrière. Elle est rigolote, c'est marrant, bien joué la perspective, ha ha ha, lol, bien joué. Pourquoi ce... Non. Pourquoi on peut zoomer autant avec cette putain de caméra? À quoi ça sert, putain? Pourquoi les numéros sont positionnés comme ça là? Il disait d'aller par paire. Il disait que les trucs allaient par paire, mais c'est pas vrai, si. Je vais relire le panneau. L'artiste joue avec la perception. Dans 1938, les perspectives déformées semblent correctes. Le petit semble grand, mais conserve une égalité. En conséquence, nous sommes amenés à croire que la vérité vient par paire, faisant ainsi correspondre notre propre vérité à une autre vérité, accrochée et affichée à la vue de tous. Il y a 10 numéros et 10 putains de tableaux. Je peux pas les pousser, je peux pas les inspecter. Je peux pas bouger la caméra non plus. Je comprends pas ce que ça m'amène. Est-ce qu'il y aura une information qui correspondra à ça plus tard? Peut-être. Ok, ça c'était le rapport de Bog numéro 3. La porte flingue dont on n'a pas la clé. Il y a un truc là, à gauche? Non. Ok. Bon, on a d'autres pièces à ouvrir. Si on trouve un expresso, je pense que je vais me le faire aussi. Je sais pas à quel étage je suis là. Deuxième ? Troisième apparemment. La porte 1973, est-ce qu'on l'avait? Non. Celle-là, on l'ouvre pas. Attends. C'est moi ou mes yeux ont déconné là? Non, c'était le bruit du chien plus la transition de scène, j'ai cru que mes yeux déconnaient. Je suis pas prêt à être poursuivi par un autre malade là. Ok, donc là on a vu la porte 53 je crois. C'est ça, et on avait la clé. Je crois que c'est ça, on l'a récupéré la clé 53. Ici.
Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. ...1953, installation multimédia. Une réalité et son équivalent existent simultanément. L'une dans la pièce, l'autre télévisée. 10 individus uniquement identifiables à l'écran. Peut-être un commentaire sur notre obsession pour les écrans. Ou une remarque sur l'opposition entre individualisme et collectivisme. L'artiste nimble la signification du mystère comme si elle nous demandait « Qui seriez-vous ? Et où vous tiendrez-vous si vous passiez à la télévision ?» Ah, il faut montrer à chaque fois la bonne. Bah, c'est celle-là. Ça m'avance à quoi de savoir ça? Est-ce qu'il faut qu'on les note? Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Alors. Déjà, ça nous permet. Déjà, je ne verrai pas et puis oh zut, hein. Tout à fait. Alors attendez. Je vais prendre la salle 1953. Et là, vous voyez par exemple, on a le 4. Donc, on a 3, puis 4, puis 3. On va les écrire comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, et c'est le motif qu'il y avait sur cette putain de porte. C'est pour ça qu'on était en mode « Oh, je comprends pas le motif sur ça, c'est rigolo, machin, regardez la porte 1953, elle est comme ça. » Et en fait, c'est ça le truc. Donc le 4, il est là. C'est ça, hein, je suis pas fou. On voit le côté gauche de son... Non, on voit le côté droit de son visage. Donc c'est pas celui-ci, faut pas que je me trompe. C'est celui-ci, le 4. Donc ça, ça va nous servir plus tard, j'ai l'impression. Le 5, on voit le côté gauche, par contre. Par contre, les deux, ils sont de face, là. Donc le 5, il est là. Le 6, on le voit de face. Donc le 6, c'est en option lui ou lui. Le 7, c'est l'arrière de son crâne, donc c'est là. Le 8, c'est de face, mais elle est pétée. Donc, on a un indice. C'est celle tout à droite, parce qu'on voit pas le côté droit de son visage. Il est caché sur celle qui est juste là. Donc, ça va être celle-ci. Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir cette putain de chiffre, suite de chiffres? Ok. La 9, on la voit de gauche. Depuis sa gauche, donc c'est celle en face à côté du monsieur au chapeau. Parce que c'est la seule qu'on voit de gauche. Donc c'est celui-là. La 0, on la voit de derrière, donc elle est là-haut. Je sais pas du tout pourquoi est-ce que je prends cette information, mais je la prends, c'est sûr. La 1, on la voit de face, cette fois-ci, il n'y a pas de doute. C'est celle-là, par élimination, en fait. Ah, la 2, c'est une truc défiguré à nouveau. Donc cette fois-ci, on a bien l'info. Ici, c'est 2, ici, c'est 6. Et donc la dernière, c'est 3. C'est celle qu'on a vue tout au début. Et qu'on est allé cliquer, c'est celle en haut
ici. À gauche, pardon, à droite ici. Très bien. Donc on vient de faire tout le passage sur 1953. Si on sort sur la porte, on voit que... Oh non. Non, 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 non. Attends. Voilà, c'est bon. On peut y aller, Fraulein. On peut y aller, Fraulein. Allez, viens là. Allez, amène-toi. Il est où, l'autre psycho, là? Pourquoi il vient pas, l'autre psychopathe? C'est parce que je suis trop loin du centre. Allez. Mais il va s'amener, oui? À chaque fois, ils me font flipper en plus, c'est con. Ok. Befragungsraum 4. Mode Terminator enclenché. Nous devons éclaircir certains détails. Essayez de vous souvenir, Fraulein. Oh putain. Donc ça, c'est après le suicide de l'autre. Lui, il était déjà sur place. Ok, son chapeau sur un banc. Derrière lui, qu'est-ce qu'il tient? Oh, vraiment, il est glauque, une caméra. La rose est par terre au sol. Combien d'éléments de... Combien de fragments de miroir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dont un gros. Ok, elle, elle est choquée. On a une statue d'ange qui prie. Ok. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il y a un vase cassé sur un présentoir tout seul. Et un arrosoir au pied du vase cassé. Un petit caillou sous le banc. C'est pas un caillou. C'est une pomme sous le banc. Il y a quand même un peu un délire de représentation de la chrétienté. Elle, elle est face au sol. Lui, il est penché. Je pense que j'ai à peu près tout. Vous vous souvenez? Salut, Gerder. On a commencé à se faire... Non, mais ça, t'avais déjà vu, ça, je crois, toi. On a commencé à faire des trucs chelous, là. Je me souviens de tout. Très bien. Qu'est-ce que l'homme tient dans la main? Une caméra de cinéma, tout va bien. Cela concorde avec nos informations, Fraulein. Allez, une page de script en plus. La femme court dehors et trouve l'homme à genoux près du corps. Elle découvre que le corps est en réalité un mannequin. Il est complètement détruit. La femme regarde l'homme en quête d'explication. Solennellement, il relève la tête et croise son regard. C'était de la légitime défense, signala. Je n'ai pas eu le choix. La femme essaie de retrouver son souffle. Elle regarde à nouveau la grande poupée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question vieille comme le monde. Qui tient la brosse dans la main? D'où vient le rouge? L'art peut-il apporter un sens à une existence dénuée de sens ou s'agit-il uniquement d'un jeu destiné à tromper les sens? La femme fronce les sourcils, mais l'homme ne se rend compte de rien. Assez parlé de mon travail, alors ce labyrinthe, ça avance? Non, je suis bloqué. Pourriez-vous me dire « Merveilleux !» Être bloqué est l'un des points clés du processus. Vous êtes une artiste incroyable, mais je vous détourne de votre art. Laissez-moi donc vous débarrasser du corps. Il y a vraiment un délire. Elle était semi... C'est quoi? C'est une espèce de relation artistique qu'ils ont tous les deux, mais en même temps, lui, il est complètement perché, et elle est un peu amoureuse de lui, et... Franchement, je comprends pas. Neuf, c'est le chiffre de quoi, déjà? Dans leur, de leur propre aveu, là? Dans la numérologie transcendantale, 9, c'est la mort. Ouais. Et bah, 9 pages de script, 9 parties du labyrinthe. Lui, il est dans la chambre 1963, le bâtard, quoi. Allez, une page de plus. Ça a l'air toujours aussi joyeux. Écoute, oui, mais bizarrement, on commence aussi un peu à s'y repérer. Et on a vu que la jauge de V6 remplissait effectivement bel et bien quand on buvait du café. Hein. Est-ce que c'est l'une des portes, là? Non, ça c'est un raccourci.
Ça, on n'a toujours pas compris du coup, hein. J'ai cru avoir une révélation au début de stream, mais en fait, pas du tout. 1847. Non, mais ça, j'en viens. Est-ce que c'est ici? Je me demande ce qui se passe si on a juste trop envie de faire pipi. Non, attends. Ah si, c'est bien ça. C'était là. Non! J'aurais dû sauvegarder après le souvenir. Qu'est-ce que c'est, un raccourci que j'ai pas encore ouvert? Ça, c'est la porte de carreau. Ça, c'est quoi? C'est Lorenzo? Ouais, c'est Lorenzo. C'est du vent, on dirait vachement un cri. Ce truc, c'est horrible. 1948, est-ce que j'ai la clé? Oui. Allez, et bah c'est parti pour 1948. Au cours de notre vie, on est toujours à la recherche de direction, qu'il s'agisse de rentrer à la maison ou d'aller quelque part, mais dans 1948, l'artiste choisit de nous présenter l'idée que notre façon de nous orienter est aussi importante que la direction. Elle va même jusqu'à suggérer que c'est une seule et même chose. Bah oui. Non mais attends, quoi? Il y a 10 bobines de fil marquées. Démarrer la bobine marquée 0. Oh non, ça saoule. Putain. Marqué 1. Le cri des enfers? Quoi, le cri des enfers? Ah oui, là. Non mais je comprends rien, là. Est-ce que la porte est à nouveau un indice? Genre, voyez... attendez. Je vous mets la caméra. Voilà. La porte, elle a un truc en 5 carreaux à nouveau. En 10 carreaux à nouveau. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis répéter deux fois le motif. Finalement. 1948. En fait, il blaguait pas, hein. Zugi, dans le manuel, toi t'étais là en mode ouais machin, tout ça c'est pour l'accessibilité, mais ils en ont rien à foutre, hein, de l'accessibilité. Ils s'en cognent complètement dans ce jeu. Leur but c'est juste de te dire, écoute mec, tu vas prendre un papier, un stylo, et puis tu vas apprendre à regarder les aiguilles d'une montre, et puis voilà. Alors 2, qu'est-ce que ça m'indique? En quoi c'est différent de la 2, ça? Non, en quoi c'est différent de la 1? C'est l'opposé de la 1. La 4. D'accord, la 5. Pourquoi ça putain de tourne comme ça? Je comprends pas le rapport avec le motif sur la porte, en fait, cette fois-ci. Hein?
J'en ai pas déjà vu une bobine comme ça? Bon, alors qu'est-ce qu'on voit sur ces bobines? Ce qu'on voit, c'est à chaque fois dans un des deux carreaux. Est-ce que ça sert que je tourne comme ça? Non, ça sert pas, hein. C'est là-bas alors? Non. Est-ce que... la porte s'ouvre comme ça? Est-ce que c'est un rapport? J'ai bien compris qu'il nous montre 10 positions différentes. Mais je comprends pas à quoi ça correspond. Du coup, voilà, Alaisten, tu me demandais à quoi correspondait le jeu tout à l'heure. C'est, en fait, c'est principalement ça. C'est des énigmes d'identification de pattern. De, est-ce que t'es capable de mettre les bonnes clés aux bons endroits? Est-ce que ton cerveau est capable de comprendre ce qui se passe quand tu vois un truc? Est-ce que ton cerveau est capable de faire le lien, la connexion avec un truc que tu as déjà vu autre part? Principalement ça, en fait, en réalité. Hein. Est-ce qu'il y avait un truc par rapport à ça, là? Un cube et un truc en forme de cube dans le crucifix. Est-ce qu'on peut mettre un truc dans le crucifix? Et on a des tampons aussi, ça c'est très important. Depuis le début du jeu, on a des putains de tampons et je sais pas ce qu'on en fait. À un moment, on va avoir besoin des tampons, cela dit. Encore du café. Ah, 1962. La porte est chelou par contre sur 1962. Et toujours le relay vice. 1962 nous pousse à regarder autour de nous, peut-être même à travers les fenêtres de notre propre espace personnel afin de laisser les symboles rencontrer les idées. L'œuvre est ouverte à plusieurs interprétations. Mais l'artiste nous laisse un indice quand elle examine le symbolisme sous les perspectives spécifiques. Les croyances ne sont vraies que quand on les contemple dans la solitude. Allez, ta sœur. Quoi? Hein? Hein? Quoi? Non, mais ça n'existe pas ce qu'on est en train de voir là. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Oh, tu sais les énigmes. Je comprends pas pourquoi il...
En fait, j'ai la vague impression que c'est pas du tout une énigme, quoi. Ah. Ok. En fait, c'est la caméra permet. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Il faut juste se repérer dans l'espace. C'est à nouveau un moyen de noter les numéros. C'est très bizarre par contre ça. Alors 1962 du coup, la salle 1962. Ok. J'ai compris ce que le jeu voulait de moi sur cette salle 1962. Donc la salle 1962, elle a une forme qui est à peu près comme ça. Je sais toujours pas à quoi ça va m'aider, hein. Mais c'est pas grave. Alors. Et on arrive de par ici, hein. La porte est là. Donc, on a 5 ici. Comme ça. Et là. Ok. 5 est là. Donc 7 est ici. Là, c'est 8. Des bisous à toi, Yumu. Ciao, ciao. Passe une bonne soirée. Là, c'est 1. Là, c'est 4. Là, on a 0. Là, on a 3. Je sais pas où est le 9. Est-ce que c'est l'énigme du truc ? 1, il nous manque le 2. Ah ha ha. D'accord, donc ça c'est l'énigme du truc, c'est qu'en fait ici on voit un 5. Et ici, on voit un 2. Donc c'est un 5 si on regarde de ce côté-là. Et un 2 si on regarde de ce côté-là. Et ensuite ça, c'est un 9 si on regarde de ce côté-là. Et un 6 si on regarde de ce côté-là. Waouh, ça fait réfléchir! Vous voyez le même Facebook du mec, des deux mecs qui montrent un 9 et un 6 et qui sont en mode « C'est un 9, non c'est un 6 !» Et en dessous il y a écrit une phrase très inspirante du genre « La vérité dépend forcément du point de vue !» Bah c'est la même chose mais en plus compliqué. C'était exactement la même chose mais en juste on s'est fait chier à créer une énigme pour que vous le compreniez quoi. Peut-être que j'aille aux toilettes, non ? Too deep for me. Ah, ça fait réfléchir. On va se laver les mains quand même, on n'est pas des bêtes. Ok. Ça, on y est déjà passé. C'est l'orrendo. C'était un 6 ou c'était un 9 ? Et il y a justement des mecs qui ont voulu être encore plus subversifs et tourner ce même Facebook en ridicule. Et qui ont fait un troisième personnage qui arrive et qui est le peintre et qui dit « Non, non, j'avais bel et bien pas un œuf !» Mais bon. C'est des gens qui se croient plus malins que le reste et c'est pas très drôle non plus, quoi. Ça fait réfléchir.
Bon, et en attendant, je trouve toujours pas d'infos sur quand est-ce qu'il a touché gros à Saint-Malo et c'était pas à Saint-Malo, je crois qu'il a touché gros, mais non, c'est pas grave. Du café juste là. Porte de cœur qu'on peut toujours pas ouvrir. J'essaie de me souvenir s'il y a d'autres endroits avec des portes en fait. Celle-là, on n'a toujours pas compris. Ça, c'est un shortcut. Qui est fermé des deux côtés d'ailleurs. Ouais. Je suis vraiment pas bon à ce genre de jeu. Mais là, en vrai, en plus, c'est vraiment un jeu où on se fracasse juste la tête contre les énigmes quoi. Il y a aussi un easter egg à Zelda Link to the Past, si tu vas chez le voyant. Pardon, excuse-moi, j'arrête avec cette voix. Bon, elle, il nous a dit c'est un mannequin, mais elle a quand même l'air d'être vraiment suicidée. Hein. Le truc, c'est que je comprends toujours pas à quoi correspondent ces énigmes que je résous, en fait. Je vois pas ce qu'elles vont me permettre de faire, en fait. Sur 13, j'ai pas la clé, c'est ça. On a dit que sur 13, j'avais pas la clé. C'est laquelle que j'ai pas visité? Alors, c'est 53? Non, 1932, je crois que je l'ai pas faite. Je l'ai encore. Ah bah alors! Pourquoi je la voyais pas, moi? Clé de Karaux. Ouais, celle-là, on l'a bien noté, 53. On va essayer d'aller au troisième étage. Je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup, mais on va essayer. C'est terrible, là, je déambule dans les couloirs sans information, sans logique et sans objectif. Ok, c'était là qu'on a ouvert, non? Ouais, 1938. Je comprends pas ce qu'elle veut, cette pièce, en fait. C'est vraiment un jeu, si je veux pas tourner en rond, faut que je note... Faut que je note... Oui, mais ça, en fait, on l'a, regarde. Il y a des cartes interactives dans le jeu. Enfin, interactives. Interactives vite fait, quoi. Elle est comment là la mémoire photographique? Porte magique. Non, poster magique. Alors, c'est la 53, c'est ça? Non. 38. 38, elle est comme ça. Hop, on va reprendre notre caméra fétiche. 38, il y a 1, 2, 3, 4, 5 emplacements. Et 1. 2, 3, 4, 5 emplacements. Et donc il nous parlait de perspective dans la 1938 et de former des paires. Donc effectivement, je pense qu'il faut qu'on trouve un peu une consigne dans ce truc d'énigme à la con là. En s'appuyant sur les techniques modernes, l'artiste joue avec la perception dans 1938 des perspectives déformées semble correcte. Le petit semble grand mais conserve une égalité. Le petit semble grand mais conserve une égalité. En conséquence, nous sommes amenés à croire que la vérité vient par pair. Ainsi apparaître une nouvelle conformité à la vue de tous du cul. Et cette caméra, c'est un pied fixe. Il
il faut les associer en termes de taille. C'est pas ça quand même. Genre ça c'est le 2 parce que c'est le plus près. Oh c'est horrible. C'est horrible. Vous avez compris ou pas la logique là? Le 2 il est très près de la caméra, du coup c'est le plus gros carré. Le 3 ça va être celui-là j'imagine. Et le 6 c'est celui là-bas. Donc le 3 c'est celui-là et le 6 c'est celui tout au fond. Ensuite le 4 ça va être le plus petit point, donc ça va être celui-là. Ça va être celui-là. Mais il y a quand même une option sur le 9 ici. On va dire. Celui-là c'est le 9 mais il y a quand même une option sur le 4. Ensuite en continuant comme ça. Le 5, mais non, mais c'est pas possible. Tu peux, mais oui, c'est comme ça que tu fais, c'est qu'il faut faire correspondre ça comme ça, putain. Je m'emmerde pour rien du tout. Ok, alors on va la refaire. Le 4. C'est celui-ci. Et bisous à toi Zougi, j'avais pas vu l'heure. J'arrive. J'ai trouvé la solution à cette ligne de mort. Le 2, c'est... Comme on l'avait dit, c'est celui-ci. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Le 2, il n'y a pas de problème. Le 2, on valide. Le 3. C'était pas au pifomètre qu'il fallait faire en fait. C'était en étant exact. Le 3 en valide aussi. Bon, ces deux-là, ils étaient relativement logiques. Ensuite, le 1. Le 1, c'est celui-là. Ok, on a fait 1, 2, 3, 4. Le 5. C'était pour ça que toutes les perspectives étaient tout le temps alignées en fait. Ah! J'ai dézoomé ou pas? Ça va être celui tout à gauche? Celui qu'on avait mis à la place du 4? Le 5 est toujours aligné. Non, c'est celui-là. C'est celui-là. Très bien. Ensuite, le 6. Ah, j'ai pas compté le 0 aussi. Ok, le 6. Hein? Bon, le 6 c'est celui là-bas. En vrai ceux-là ils sont faciles à faire comme ça de visu. C'est les plus petits qui sont plus chiants. Ok, le 7. Le 7 je vois bien celui du milieu là, à droite là. Juste à droite. Celui-là là. Ah non. Ça va être de l'autre côté. Il en reste qu'un seul, c'est celui du tout du... C'est celui tout du fond. Ah, c'est celui tout à droite, merde. Yes.
Bah, je vais entourer 1938 en rouge histoire que je me souvienne. Et bah dis donc, c'est chiant, hein. Il reste 8, 9 et 0 à placer. Alors 8, on est parti. Ça crée des paires invisibles en fait, tu comprends. C'est de l'art. On va vérifier, mais normalement c'est censé être celui tout à gauche. Encore un coup, c'est parti, on y est, bravo. Ok. Il nous reste le 9 et le 0. Vas-y, le 0 est juste là, on va le faire là. Allez, est-ce qu'on arrive à se relire? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Impeccable. Quelle souplesse du joystick, t'as vu ça? Et donc, je ne sais pas. Oh, fais chier. Je peux pas me servir de l'ordi. Fais chier. J'ai les yeux laser. J'espère qu'il va pas apparaître devant moi, ce bâtard. Non, c'est bon, ça va. Il apparaît jamais devant, j'ai l'impression. Et ça va être comme le manuel des chiffres. On va savoir faire des énigmes et on va pas comprendre pourquoi est-ce qu'on sait les faire. Alors, Befragungsraum 5. Après celle-là, il nous en restera 4. Nous devons éclaircir certains détails. Essayez de vous souvenir, Fraulein. La fameuse vitre peinte en rouge. Hein ? Loup. Pousse in fabula, le loup en fable. Le chien a peur du mec. Le mec est en train de s'énerver, j'ai l'impression. Ok, il a fait des traces de pas dans la peinture qui vont jusqu'à lui. Il pointe avec ça. Il a un cahier. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux qui sont peints. Pinceau au sol, appuyer sur la lettre L. Le cadran à 12. Vous vous souvenez? Je me souviens de tout. Très bien. Qu'est-ce qui était caché dans le chevalet derrière la fenêtre? Merde! Je l'ai pas vu? On va le piffer, une carte à jouer? Cela ne concorde pas avec nos informations, Fraulein, dommage. Partie terminée. Oh, c'est sérieux? Retour au menu, c'est brut. Bon, c'est pas grave. On sait qu'on peut regarder ça à nouveau. Par contre, je peux pas skipper, quoi. Ok. Qu'est-ce que c'était? On a raté un truc? Oh, putain! On a raté le revolver!
On sait quoi regarder. Non, mais j'étais tellement absorbé par ce lupus in fabula et par le pinceau que j'ai pas vu le revolver. Waouh. Bravo à eux. De mémoire, je dirais à gauche de la femme. Oui. Cela concorde avec nos informations, Fraulein. Allez, quand je vais me les faire. La femme rentre de sa promenade avec Rudy qui trottine à ses côtés. L'homme l'attend. Il se tient près d'un chevalet, sur lequel est posée une fausse fenêtre accessoire. Elle est mal peinte en rouge, à moitié terminée. Les vêtements de l'homme sont tachés de peinture rouge. Vous avez fait une bonne balade ? La femme ne remarque pas son changement d'attitude. L'homme est agité d'une rage qu'il peine à contenir. Il sort un bloc-notes de sa poche intérieure. C'est quoi ça ? La femme jette un coup d'œil au bloc-notes. Ce sont mes premières esquisses du labyrinthe, quelque chose ne va pas ? C'est juste un tas de chiffres. Ce sont des vecteurs de coordonnées et ce sont des vecteurs et des coordonnées pour l'ordinateur. Assumez vos responsabilités. Ne vous cachez pas derrière l'OCU3. Je ne me cache pas, mais pour créer quoi que ce soit avec lui, il faut que je... Et cette fenêtre ? J'ai dû la peindre en rouge moi-même. J'ai taché mon costume préféré. C'est que je ne savais pas que vous vouliez... C'est votre boulot de savoir. Oui, mais pour faire mon boulot, il me faut des directions. Les directions sont pour les touristes, les amateurs, les gens simples, peignent des chutes d'eau. J'ai embauché une artiste qui comprend les règles du jeu. Je dois bien dire que je suis très déçu de votre manque de passion. La femme prend une longue inspiration comme pour se calmer et elle change son approche pour apaiser l'homme. Je suis désolé, ce projet est parfois un peu déroutant. À quoi sert la fenêtre ? L'homme la regarde l'air dégoûté. Vous ferez peut-être mieux de peindre une chute d'eau. L'homme tend le bloc-notes et la femme et sort en claquant la porte. Elle marque un petit morceau de papier coincé entre les pages. Elle le sort. Retrouvez-moi ce soir à la chapelle, ne lui dites rien. Ok, et donc il nous restera à visiter une salle qu'on n'a pas encore trouvée. Qui est la 1932. C'est ça, la 1932, on l'a pas visitée. Je vais juste me la noter sur un papelard. Hop, je vais marquer 1932, comme ça je sais que je la cherche. Et normalement je laisse assez de place. Chambre de naissance. Chambre du père. Vous comprenez ce qu'il y a écrit sur le texte là ? Ok. Température toujours optimale, rythme cardiaque parfait. Tout va très bien, madame la marquise. Allez, et ben on va enregistrer ici. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on viendra sur ce jeu la semaine prochaine. Mais je vais me flinguer, quoi. Je vais me flinguer. Allez, des bisous à vous, les cocos. Passez une très très bonne soirée. On se retrouve demain matin pour du Slay the Spire en pleine forme. Imperturbable. Non, allez, Sten, c'est juste que mon cerveau arrête de processer l'information à un moment, en fait. C'est le bordel dans ma tête. Des bisous à vous. On se retrouve demain matin en pleine forme. Ciao, ciao.